Mesdames, Messieurs, bonjour, excellente journée à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre au D12. Au passé, il y avait eu la conférence nationale. Au présent, il y a la concertation nationale. Au passé, il y avait eu les crispations autour des travaux avec la suspension de la participation des délégués du gouvernement. Au présent, il y a la suspension des délégués opposants de l'ANC. Cette semaine, l'Alliance nationale pour le changement a décidé de suspendre sa participation à la concertation nationale entre acteurs politiques. Le cadre de discussion ouvert au début de l'année vient même de prendre fin. C'est quand deux recommandations auraient été adoptées, elles devraient permettre d'assainir l'organisation des processus électoraux au Togo. En réalité, quels sont ces points qui vont faire tomber la tension autour des élections togolaises? Tenues à huis clos, loin des micros et caméras, les concertations se sont déroulées en toute sérénité, mêlées parfois de suspicion et méfiance d'une partie de la classe politique. En se retirant ou en suspendant sa participation aux discussions qui elles-mêmes viennent de se clôturer, l'ANC a fini par rejoindre la DMK, puis le CA, qui portait dès son entame des réserves sur les discussions au ministère de l'administration territoriale. Les cadres de discussion au Togo seraient-ils de tradition porteurs d'esprit de la division, de la tergiversation et de l'échec? En 1991, il y a 30 ans, les Togolais découvraient avec enthousiasme la conférence nationale. Elle aussi, en son temps, avait connu la division, la tergiversation et même l'échec sur bien de points. Au contraire de l'ANC, c'était le gouvernement qui avait à un moment suspendu sa participation aux travaux. L'histoire n'est-elle pas tout simplement en train de bégayer au Togo? Les Togolais ne sont-ils pas juste des Togolais avec leurs défauts et leurs qualités? Ce sont certainement de ces qualités, des valeurs qu'il exprime chaque année durant la grande saison des fêtes traditionnelles. Pour la deuxième année consécutive, les places des fêtes resteront fermées. Les musiciens et les danseurs devront encore prier pour la fin de la pandémie, puisque les rites initiatiques, les célébrations des moissons ou des divinités ne sont pas sûrs d'être protégés par les vaccins. Depuis plusieurs mois, le Togo a senti sa campagne de vaccination contre la COVID-19, tandis que les cas de contamination, eux, jouent avec les nerfs des gouvernants et des soignants. Visiblement, être gouvernant par 7 ans ne doit pas être une promenade de santé, comme par exemple pour certains élèves qui ont commencé leurs grandes vacances. Ces vacances seront sans doute agitées par cette importante réforme portant uniforme scolaire en République togolaise. Le kaki va-t-il finir par disparaître des cours des écoles? Porté par les élèves du Togo depuis des années, le tissu kaki est devenu célèbre et distinctif pour une catégorie d'apprenants des établissements publics. Quel uniforme pour remplacer le kaki? Que vise une telle réforme? Pour le deuxième rendez-vous de notre série 30 ans de la conférence nationale, nous avons comme invité Maître Jean Dégly, le D12 avec vous au 96 50 34 37 et puis son T10 43 09 60 T10. L'émission est mise en onde par Romary Freitas. Maître Jean Dégly, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Pyramide FM. Comment vous allez? Oh, je vais bien par la grâce de celui qui maintient mon souffle. C'est la deuxième série, comme je l'ai dit, la deuxième de notre série consacrée à la conférence nationale et aux 30 ans. Mais d'abord, cette journée, observée ce samedi, et qui est la Journée mondiale de la justice internationale, je voudrais qu'on ouvre par là parce que je sais que vous-même, vous avez traîné votre carapace par cette justice internationale. Elle a été instituée pour marquer l'adoption du statut de Rome créant la CPI. Est-ce que les juridictions internationales sont si importantes, notamment pour nos pays du Sud? Je pense que ces juridictions sont importantes. Elles ont cet avantage de suppléer à la carence de nos justices nationales dans un certain nombre de domaines, notamment lorsque ceux qui commettent les plus graves violations des droits de l'homme se voient soit accorder le bouclier sur le plan national, donc la justice nationale ne peut pas les juger, ou alors lorsque, au sortir des conflits et des troubles, la justice nationale est dans une situation de déliquescence ne lui permettant pas de pouvoir juger certaines affaires, ou alors que ces affaires, si elles devaient être jugées sur place, entraîneraient beaucoup plus vers l'injustice qu'autre chose. Et en ce sens-là, le caractère subsidiaire de la compétence de cette institution, qui peut recevoir plaintes et juger des crimes commis sur le plan national dans certains pays, est une chose que je trouve fondamentale et très importante. Donc, pour moi, cela a un
effet positif. En tout état de cause, la justice internationale, telle qu'elle est mise en place depuis un certain temps, permet, dans une certaine mesure, de dissuader en ce qui concerne les violations des droits humains. On a parlé de la justice internationale et spécifiquement ces dernières années de la Cour pénale internationale et pour un certain nombre d'observateurs. Cette juridiction internationale était focalisée sur des crimes, notamment en Afrique, et cela a peut-être fait sa faiblesse à un certain moment donné. Est-ce que vous partagez le même avis, que cette Cour est beaucoup plus dirigée contre les Africains? Je crois qu'il faut avoir une observation en deux volets. Hein. D'une part, c'est vrai que la justice internationale est apparue comme trop focalisée sur les pays africains. Sur ce plan-là, il faut quand même noter que la justice internationale ne s'adresse qu'aux pays dans lesquels il y a des violations des droits humains. Et si ce sont les pays africains qui se signalent par la palme d'or des violations des droits humains, il est normal que la justice internationale s'intéresse beaucoup aux pays africains, surtout si ces pays ne sont pas en mesure ou ne veulent pas eux-mêmes poursuivre les violations de ces droits humains. De l'autre côté, il faut noter que la justice internationale, un certain nombre de pays, et ça a été toujours le cas de tout temps, ont refusé sa juridiction. Vous avez par exemple les États-Unis, la Russie, la Chine, qui n'ont pas ratifié le traité de Rome et qui ne sont pas soumis à sa juridiction. Donc c'est beaucoup plus difficile de pouvoir poursuivre les ressortissants de ces pays, surtout que c'est des pays qui ont une capacité telle que il est très difficile de pouvoir aller chercher leurs concitoyens. Et nous avons vu dernièrement avec Israël, lorsque la Cour pénale internationale a décidé de s'intéresser aux violations des droits humains dans les territoires occupés, en Cisjordanie et autres. Nous avons vu également, lorsque cette Cour a décidé de s'intéresser aux violations des droits humains, en Afghanistan notamment, par l'armée américaine. Donc, vous voyez, sur ces deux points-là, on peut dire que d'un côté, certains pays qui seront prompts au niveau du Conseil de sécurité à déférer des affaires de nos pauvres pays à ces pays, refusent eux-mêmes d'être soumis à la juridiction de cette Cour. Et de l'autre côté aussi, il faut dire que lorsque les violations des droits humains sont plus fréquentes dans nos pays, nécessairement, nos pays feront l'objet d'une attention particulière de la Cour pénale internationale. Il n'y a pas très longtemps, c'est l'ancien patron de la FIDH, le Sénégalais Maître Sidi Kikaba, qui exaltait l'érection de cette Cour internationale parce que le constat était fait. Dans nos pays, les juridictions nationales sont si faibles et leur part dans le budget ou dans les budgets et sont aussi très très faibles. Comment corriger tout cela? C'est vrai, ce constat est un constat amer. On s'intéresse peu à la justice dans nos pays. Lorsque vous comparez les budgets de la justice dans nos pays par rapport au budget de l'armée, vous vous posez toujours des questions. Pourquoi l'armée est aussi importante pour les pays, surtout nos pays africains, alors que nous avons de gros problèmes à régler, que nous n'arrivons pas à régler, dont la justice, qui est une plaie dans certains pays, hein, et c'est devenu une des plaies béantes aussi du Togo, avec la corruption que nous y voyons tout le temps, avec les difficultés pour les magistrats à avoir les moyens nécessaires pour faire le travail qu'il faut, mais également avec cette difficulté à pouvoir poursuivre qui de droit lorsque c'est nécessaire. Dans beaucoup de pays, vous ne pouvez pas poursuivre facilement ceux qui sont les violateurs des droits humains, ceux qui commettent les fautes les plus graves, vous ne pouvez pas. Mais cela étant, je crois qu'il est indispensable que nous accordions, que nos pays accordent de plus en plus de l'intérêt à la justice. Parce que nos pays ne sont pas sûrs pour les investisseurs étrangers si la justice ne fonctionne pas normalement et si elle ne peut pas garantir un minimum de, je dirais, de confort à ceux qui viennent investir dans nos pays. Si la justice est déséquilibrée, deux poids, deux mesures, elle est sous ordre,
nécessairement, les pays qui sont les nôtres n'auront pas beaucoup d'investisseurs qui y viendront. Mais d'abord, il faut, avant de voir, même en voyant ces aspects, il faut qu'on donne les moyens nécessaires à cette justice. C'est important. Il suffit que nos dirigeants essayent de corriger cette situation. On n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit pour venir régler ces problèmes. Hein. Il suffit que nos dirigeants essayent de corriger en orientant vers la justice un certain nombre de moyens qu'ils orientent vers des secteurs qui ne sont pas des secteurs aussi importants pour nos pays, ou alors qu'on dilapide dans des actions qui ne sont pas nécessaires et indispensables pour nos pays. J'ai dit tantôt que vous-même, vous avez travaillé dans une de ces juridictions. Vous étiez où? Vous étiez? J'ai été avocat devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Bien, merci. Sans doute que nous reviendrons sur la célébration de cette journée internationale au cours de cette émission, si nous avons le temps. Et aujourd'hui, il est plutôt célébré. La journée Nelson Mandela, c'est également une grande figure de combat pour la justice et la liberté sur le continent notamment. Même vous avons invité, surtout parce que il y a 30 ans, la conférence nationale du Togo se tenait dans notre pays. Et beaucoup constatent ou ont constaté que les 30 ans sont très très vite passés. Est-ce que c'est le même constat chez vous? Oui, c'est le même constat chez moi. Pas seulement que les 30 ans sont très vite passés, mais que les 30 ans sont passés sans qu'il n'y ait véritablement de changement de cap ou de changement de grande envergure dans notre pays. Parce que les mêmes problèmes qui ont conduit à la conférence nationale se sont répétés, se sont multipliés, se sont quelquefois aggravés et sont aujourd'hui encore les problèmes qui se posent de façon dramatique. Quelquefois à notre pays. Voilà. Vous dites presque la même chose que Brigitte Attiamagbo-Johnson qui était à votre place il y a une semaine. Quand vous parlez de changement d'envergure, vous faites allusion à quoi? À beaucoup de choses. Hein. Je fais allusion à beaucoup de choses. Sur le plan politique, je ne crois pas que nous ayons beaucoup évolué par rapport à ce qu'on demandait dans les années 90. C'est vrai, il y a un certain nombre de libertés qui ont été acceptées et qui sont tolérés depuis, liberté de conscience, liberté de parole, liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'association, le multipartisme, mais en même temps, il y a liberté de religion aussi, en même temps, ces libertés sont de plus en plus retombées dans une situation d'embastillement. De réduction drastique à telle enseigne qu'aujourd'hui, on se demande si ce sont les libertés qui sont le principe ou bien c'est l'absence de liberté qui est le principe. De l'autre côté, sur le plan politique, on se rend compte que le Togo a toujours les mêmes problèmes que dans les années 90, les mêmes problèmes qui ont conduit à la conférence nationale, en dehors du fait que nous avons une constitution qui proclame la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, nous avons l'impression que beaucoup de choses se passent comme si, en réalité, on vivait dans un système qui n'était pas vraiment ce que nous avons souhaité à cette époque. Lorsque vous prenez la situation sur le plan économique, vous avez les mêmes choses. Vous avez la corruption qui continue de gangréner le pays, vous avez le chômage qui est extraordinairement élevé, vous avez les difficultés pour la jeunesse à pouvoir s'insérer, à pouvoir avoir du travail, à pouvoir se tailler sa place dans cette société, et puis vous avez des situations, une situation d'une justice qui, je viens de le dire tout à l'heure, qui est devenue beaucoup plus corrompue et beaucoup plus gangrénée que même dans les années 90, et vous avez malheureusement des situations de déséquilibre, notamment de tribalisme, de régionalisme, de favoritisme, qui se sont multipliés. Alors que c'est contre tout cela que dans les années 90, on se battait et on aurait pu espérer qu'aujourd'hui, au moins, il y ait de grandes évolutions sur ce plan-là. Malheureusement, on a eu une évolution pendant un certain temps et puis j'ai l'impression que la courbe s'est encore retournée et on est en train de retomber dans l'abîme.
La situation que vous décrivez était relativement une situation générale dans une certaine partie de l'Afrique à cette époque, puisque c'est du Bénin qui était venu l'idée de la conférence nationale. Et à cette époque, certains parlaient déjà, en convoquant la conférence du Togo, du suivisme, de mimétisme. Est-ce que c'était un passage obligé à cette époque, cette conférence nationale du Togo? Vous savez, à l'époque, dans les années 80, 90, 70, 80, 90, il y avait deux façons de changer de régime dans les pays africains et dans beaucoup de pays au monde. Il y avait la façon violente, c'est-à-dire les coups d'État. Et la deuxième façon, et c'est celle que le Bénin a trouvée, c'est de changer de régime, de faire de l'alternance, mais de façon pacifique. Et c'est cela qui est passé par la conférence nationale, initiée par le Bénin, qui est venue dans les autres pays, et que tout le monde a essayé d'utiliser, et que la communauté internationale a vu d'ailleurs d'un bon œil, parce que ça évite les bains de sang qui sont créés par les coups d'État. Donc, je pense qu'effectivement, c'était nécessaire. Et l'état de nos pays à l'époque, qui pendant longtemps ont végété dans la dictature, dans les dictatures militaires, dans les dictatures militaro-claniques, et dont on disait, l'Afrique dont on disait, en tout cas nos pays dont on disait qu'ils ne peuvent se développer qu'avec des régimes forts. Et nous avons vu, FORT bien sûr, régime fort FORT, et nous avons vu que ces régimes forts ont plutôt pousser nos pays dans des situations dramatiques, dans le chaos. Alors, dans les années 90, l'Occident a compris, avec la fin de la guerre froide, avait compris que non, il fallait des changements. Et ces changements, il ne faut pas les laisser arriver par la violence, il faut les accepter et pousser, même que ces changements arrivent, par la voie pacifique. Et la seule voie pacifique, c'était les conférences nationales. Cette conférence, il faut dire qu'elle avait été acceptée et par l'homme fort de cette époque, le général Yadema. La conférence avait été ouverte le 8 juillet 1991 à la maison du RPT, la maison du parti, devenue le palais des congrès de Lomé. Vous étiez dans cette salle sans doute ce jour-là à l'ouverture. Quel souvenir gardez-vous de cette journée? D'abord, je voudrais dire conférence acceptée. Vous avez bien fait de dire acceptée, parce qu'il a fallu se battre pour demander la conférence. Le général Yadema ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire « je veux la conférence pour mon pays ». Il a fallu se battre même contre lui, contre son régime, et puis l'obliger à accepter, mais il a accepté. Et quand il a accepté, avec d'abord avec le phare, il avait voulu qu'on l'appelle Forum National de Dialogue, parce que la rivalité ou les conflits entre lui et le général Mathieu Kérékou à l'époque faisait qu'il ne voulait pas qu'on appelle notre conférence qu'on lui donne la même dénomination. Bon, nous avons accepté puisque le contenu était le même. Mais lorsque le phare s'est sabordé, a été dissous, eh bien, le régime a eu le temps de triturer un peu tout ce qu'on avait demandé, ce qui a nécessité qu'on reparte en grève, on reparte en conflit contre le pouvoir pour faire accepter que ce sera la conférence nationale, de façon à ce que dans la tête de qui que ce soit, on n'ait pas l'impression que ce seront des assises au rabais. Donc, première des choses. Le 8 juillet, dans la salle, je crois que personnellement, j'ai vu un général Yadema inquiet, mais acceptant un peu comme un fait accompli, mais aussi comme une nécessité, le fait qu'il faut passer par la conférence nationale pour avancer, changer quelque chose dans ce pays. Il avait accepté, il était venu, il avait ouvert. Ce n'était pas de gaieté de cœur, mais il l'a fait, et il a accepté. Donc, dans la salle, je crois qu'on avait l'impression que quelque chose de spécial était en train de se mettre en place dans notre pays et que le lendemain serait meilleur que le passé et comme le jour où on ouvrait cette conférence-là. Voilà. Oui, là aussi, vous répétez presque la même chose que Brigitte Adjamagou-Johnson qui parlait d'enthousiasme au niveau de cette salle. Parce que tous les participants croyaient un lendemain meilleur, parce que le général s'était engagé à ce que le Togo puisse aborder son processus démocratique, sans transition, la mise en place de nouvelles institutions, les élections par la suite. Mais quand on vous regarde, Jean Desglis, aujourd'hui, vous n'êtes pas trop vieux. Ça veut dire qu'à l'époque, vous étiez très très jeune. Et
c'était la même génération que les autres participants à cette époque, puisque vous n'avez pas 30 ans à cette époque. Non, non, j'avais 27 ans, j'allais vers 28 ans. C'est le lendemain de la clôture de la conférence nationale que j'ai eu 28 ans. C'est vrai, beaucoup de délégués avaient mon âge, hein, on avait 772 délégués au total. Ceux qui venaient des associations avaient mon âge. Et les associations avaient 19,5% de la totalité des délégués. Et la plupart des membres de ces associations-là avaient mon âge, étaient un peu plus âgés que moi, en tout cas étaient de ma génération, hein, c'est vrai. Les gens qui avaient plus de la soixantaine n'étaient pas du tout la majorité à la conférence. Ceux qui ont entre 35 ans et 18-19 ans étaient représentés la majorité, entre 40 et 18-19 ans, je crois. Mais est-ce que ce n'était pas une tranche d'âge trop jeune, non, peut-être pour des faits aussi importants et aussi graves pour notre nation à cette époque? Je ne pense pas que c'était une tranche d'âge jeune. Et là, vous posez un problème que j'aurais pu poser, j'aurais pu discuter si on avait le temps. C'est quand il a fallu m'élire comme rapporteur général. Les propos qu'ont tenus feu, paix à son âme, à Tutsi Agbobli à l'époque, dit non, ces gens sont trop jeunes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est cette jeunesse qui s'était battue pour demander des changements. C'est que ceux qui avaient un âge beaucoup plus avancé n'ont pas pu, pendant des années, obtenir cela. Et à un moment donné, c'est cette jeunesse qui s'est battue pour obtenir les principales libertés, pour obtenir que le général Yadema et son régime acceptent qu'on aille à la conférence nationale. Et cette jeunesse avait posé les problèmes de façon claire. Nous n'étions pas dans un balbutiement par rapport à ce que nous voulions. Les problèmes étaient posés de façon claire. Nous voulions ceci, ceci, cela. C'était clair. Les problèmes, tous les problèmes, tribalisme, tous les régionalismes, tous les problèmes de mauvaise distribution des ressources naturelles, des bourses, de la mauvaise gestion de l'économie, tout était posé par cette jeunesse-là. Donc il est difficile de dire qu'une jeunesse qui est comme telle en avant-garde d'une lutte, de la revendication, que cette jeunesse était trop, je dirais, immature pour naïve. Ouais, ce n'est pas vrai. Lorsque nous avons discuté au niveau du phare avec le général Yadema, la plupart des membres du phare étaient des étudiants. Beaucoup de membres étaient des étudiants. Nous avons, c'est vrai, il y avait Agouibo, il y avait Kofigo, il y avait Zeusa Javon, mais la plupart des gens étaient des jeunes. Il y avait Jovi Gali et moi, et derrière nous, c'est de tout jeunes, c'est des étudiants, mais qui déjà étaient imprégnés de ce qui se passait dans notre pays. Je ne sais pas si aujourd'hui nous avons toujours la même chose, mais à l'époque, on était très concernés. Moi, j'ai été très concerné depuis le lycée, l'université, j'ai été très concerné par la situation de mon pays. Et lorsque le moment est venu de m'exprimer, je me suis exprimé, d'abord au lycée, ensuite au campus, et après, quand j'étais devenu jeune avocat, on s'est exprimé, et Dieu merci, à un moment donné, le général Yadema a accepté qu'on discute avec lui et qu'on puisse ensemble aller à des solutions concrètes. Sur la composition des délégations à cette conférence, vous aviez dit tantôt qu'il y a 772 délégués au total à cette conférence nationale. Mais avec le temps, certains, en portant un regard critique sur cette conférence, ont estimé que la composition était déséquilibrée et qu'un certain nombre de délégués, la majorité, venait d'une certaine partie du pays. Est-ce que c'est des points sur lesquels vous aviez réfléchi à cette époque? Est-ce que vous avez tenu compte, par exemple, de ce qui peut être un équilibre régional, ethnique, avant l'ouverture de cette conférence? Vous savez, la conférence nationale, telle que ça s'est passé au Togo et dans d'autres pays, ne s'est pas focalisée d'abord sur qui appelait de telle ethnie ou de telle autre ethnie, ou de telle région, de telle autre région, de telle ville, de telle autre ville. Non, ce n'était pas là le problème. Les gens qui ont demandé la conférence d'abord, et permettez-moi de d'abord vous donner à peu près le pourcentage. Okay? Nous avions, au niveau de l'opposition, les partis d'opposition représentaient 19,5% des délégués. Le RPT représentait 8% des délégués, à lui tout seul. Les associations, nos associations, les diverses associations, dont certaines sont des associations qui soutenaient le pouvoir, avaient droit à 19,5% du nombre des délégués.
l'armée avait droit, avec les autres institutions, l'armée représentait quelques 4%, mais les autres institutions, y compris l'armée, qui sont les institutions de l'État, représentaient 52%. Pardon, si le pouvoir en place devait envoyer à la conférence nationale 52% de délégués qui sont des membres des institutions, si le pouvoir envoie des gens qui sont des gens du Sud ou bien des gens de l'Est, mais c'est son problème. C'est lui qui a décidé d'envoyer ces gens. La conférence nationale ne s'est pas dit, bon, ok, on va aller voir combien de personnes ont choisi à Dapaon, combien de... Non, non, ce n'était pas ça. Mais les institutions avaient l'obligation d'envoyer des délégués et les délégués ont été envoyés, nous avons travaillé avec. Donc, ce problème est un faux problème. Dire que non, qu'on n'a pas tenu compte des ethnies et tout ça, c'est un faux problème. C'est une fois encore, c'est la tribalisation absolue contre laquelle il faut lutter au Togo. Il faut lutter au Togo. Les Togolais sont des Togolais. Qu'ils soient Moba, qu'ils soient Chokossi, qu'ils soient Kabye, qu'ils soient Mina, qu'ils soient Évé, qu'ils soient Héroé. Mais les Togolais sont des Togolais. Qu'ils soient Akosso ou autres, c'est des Togolais. Et les Togolais peuvent réfléchir aux problèmes de leur pays sans qu'on soit obligé de leur imposer telle ethnie pour venir discuter des problèmes du pays. Vous avez été élu donc rapporteur général à cette conférence nationale. Ça doit être lourd parce que vous m'avez dit tantôt que vous aviez à peine 27 ans, 28. Nous allons retourner en 1991 puisque cette émission est aussi rythmée par quelques éléments d'archives. Nous allons écouter Maître Jean Desgris à cette conférence nationale intervenir et présentant une partie du rapport des séances. Maître Jean Desgris, il y a donc 30 ans exactement, et puisque nous sommes aujourd'hui le 18, ce rapport a été présenté sans doute pour la séance du 20, et c'est-à-dire que dans deux jours, ça va faire 30 ans exactement. Et quand vous écoutez cet élément 30 ans après, quel est votre ressenti? Beaucoup. D'abord, je suis ému. Je me retrouve à cette époque comme si on m'y a transporté dans cette salle de si on m'a transporté dans cette salle Fazao, mais en même temps j'ai une pointe de déception et d'inquiétude parce que si après tout ça nous en sommes encore à discuter de certaines choses aujourd'hui, à être en face de certains problèmes aujourd'hui, c'est qu'on se demande à quand les véritables améliorations de la vie sociopolitique et économique au Togo. Vous avez parlé de 15h30 pour la séance. Est-ce ça dit que les travaux ont lieu les après-midi ou comment ça s'est passé? On avait eu des travaux quelquefois le matin et l'après-midi, et puis on avait décidé après d'avoir des travaux essentiellement à partir de l'après-midi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les séances de la conférence nationale étaient suivies en direct par tout le peuple. Elles étaient retransmises en direct. Donc,
retransmise en direct, il était indispensable donc de permettre aux populations de suivre. Et ce qui avait été fait pendant les 51 jours, je crois que c'est moins de 51 jours, puisque la conférence a duré 51 jours, mais la mise en place du bureau est venue peut-être 3-4 jours après. Et après l'installation du bureau, il a été décidé que les après-midi soient libres pour les citoyens, pour que chacun puisse suivre ce qui se passe dans la conférence, à la conférence nationale. Donc, on travaillait beaucoup l'après-midi, essentiellement les après-midi, à partir de 14h30 en réalité. Le pays devait être suspendu, visiblement. C'est un peu comme l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de football qui est retransmise à la télé. Et comment ça s'est passé? Les Togolais, les gens se réunissaient dans les maisons devant leur poste téléviseur. Comment ça s'est passé? Oui, les gens se réunissaient devant leur poste téléviseur, ceux qui n'en avaient pas. Et Dieu sait qu'ils étaient nombreux à l'époque, hein, beaucoup n'avaient pas de poste téléviseur. Les gens écoutaient à la radio. C'est retransmis en direct, Radio Lomé, Télévision Togolaise, Radio Kara, en direct. Vous avez également dit à l'ouverture de la conférence ou à l'ouverture des travaux, chaque fois à l'ouverture des travaux, vous entonnez l'hymne national. Oui, chaque fois à l'ouverture des travaux, on entonne. Et ça se passait à la salle Fazao. À la salle Fazao, oui. Pourquoi cette salle? Bon, véritablement, je pense que c'est parce que c'est la salle qui était assez grande pour contenir ceux qui sont à la conférence, mais en même temps assez restreinte pour qu'il n'y ait pas trop d'espace vide. Si on était au palais des congrès, il resterait beaucoup d'espace vide. Donc je crois que cette salle, elle était à la mesure de la conférence. Je reviens à votre choix comme étant le rapporteur général. C'est parce que vous le méritiez ou c'est parce que vous faites partie des avocats ou des meneurs de cette époque? Parce que c'est vous étiez jeune, hein. Il y avait d'autres intelligences sans doute à cette conférence. Pourquoi c'était vous? Bon, il y avait de grandes intelligences, hein, c'est sûr. La mienne, elle est moyenne, mais elle était adaptée au travail qu'il fallait faire. Et je n'avais pas décidé d'être rapporteur général de la conférence. C'est Maître Agouibor qui m'avait dit qu'il fallait que je sois le rapporteur général. Parce que avant la conférence nationale, dans nos associations, il avait remarqué qu'à chaque fois, il me remettait le travail de rapporteur et le travail était pour lui bien fait. Bon, j'étais le secrétaire général de l'Union des jeunes avocats aussi à l'époque. Je présidais des associations. Et lorsque le moment est venu, il m'avait demandé, avec le grand frère Kofi Go aussi, de présenter ma candidature comme rapporteur général. Bon, j'ai accepté et la candidature a été présentée. Il y avait d'autres personnes, hein, qui avaient présenté leur candidature aussi. Et finalement, j'ai été élu comme rapporteur général. Et je disais tout à l'heure que le grand frère Feu Atuche Agboubli avait dit à l'époque que non, que ce travail ne pouvait pas être fait par un jeune garçon comme moi. Que au Bénin, par exemple, c'est un travail qui a été fait par Tevouédré, Albert Tevouédré, Feu Albert Tevouédré, qui est un ancien fonctionnaire international. Et donc la dimension de ce travail ne permet pas de le remettre à un jeune homme comme Jean Dedly. Bon, à la fin de la conférence, je dois la vérité de dire que le grand frère qui entre-temps, était venu me voir en disant « Ah, je ne savais pas que les jeunes Togolais sont aussi capables de faire ce travail et j'apprécie tout ce que vous faites tous les jours. » À la fin de la conférence, lorsque le 28 août, j'ai présenté le rapport général, le grand frère est resté jusqu'à la fin, tout le monde est parti et il m'a approché et il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit « Vraiment, je suis impressionné par le travail que vous avez abattu. » Ce qui veut dire que l'intelligence, elle n'est pas seulement dans la vieillesse. Elle est aussi dans la jeunesse. Mais ce travail, vous le faisiez seul? J'étais rapporteur général et j'avais deux rapporteurs adjoints. Mais les rapports de tous les jours, je les faisais essentiellement seul. Quelquefois on finissait tard. Hein, je passais toute la nuit à travailler. Je passais une partie de la matinée à m'apprêter pour arriver. Et quand on a des séances dans la matinée, c'était très difficile, mais bon, j'essayais parce qu'il fallait lire des communications, différentes communications de différentes personnes, faire le résumé et puis préparer mon rapport. Et à la fin, mes deux rapporteurs adjoints qui étaient Madame Maryse Kouachi
et puis Giovigali, ils ont eu à faire un certain nombre de résumés d'une portion de tout le travail qui a été fait. On s'est réparti la tâche, chacun m'a apporté sa partie et moi je les ai intégrés en faisant un rapport général qui a été celui que j'ai présenté le 28 août 1991. Dimanche dernier, c'était avec Mme Brigitte Adjamadjo-Bodjosson que nous avions animé cette émission. Elle était membre du bureau provisoire. Vous, vous êtes rapporteur général du bureau de la conférence. Du présidium, oui. Du présidium. Et on sait que Monseigneur Philippe Franco-Podro était le président. Mais qui était également membre de ce bureau, de ce présidium? Il y avait beaucoup de personnes. Hein. Il y avait le vice-président. Je crois qu'il y avait deux vice-présidents. Il y avait Kwaku Kofigo, José Kwaku Kofigo. Je crois qu'il y avait un autre dont j'ai oublié le nom. Il était responsable d'une association différente positive. Il y avait Alassani Issa Samarou, monsieur Issa Samarou. Il y avait Jean-Pierre Fabre. Il y avait, comme j'ai dit, Marie Squashi et puis Giovigali. Et puis il y avait le professeur Folli. Mais sur les images, par exemple, je crois qu'il y avait Kétéouli aussi. Kétéouli, voilà, c'est lui qui a créé Différences Positives. C'est de lui que je parlais tout à l'heure. Oui. Est-ce que, par exemple, le choix de ces personnalités, ce choix a pu, à un moment donné, influencer ou non la conférence? Parce qu'il semblerait qu'il était difficile de contenir cette salle. Il était extrêmement difficile. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que Madame Adjamagbo, quand les choses ont commencé, a dû s'y prendre de plusieurs manières avant de pouvoir, surtout que le président du bureau provisoire n'avait plus assez de force. C'était un ancien de l'époque de Silvanus Olympio qui avait un certain âge déjà et donc plus assez de force pour continuer. Namoro? Namoro Karamoko. Et Madame Adjamagbo Johnson avait bien fait le travail. À un moment donné, les gens l'avaient surnommée Adjamagbo parce qu'elle coupait les paroles, elle imposait la discipline. Et bon, ça a permis quand même de mettre en place le fonctionnement de la conférence et de commencer. Et effectivement, lorsque le présidium s'est installé, Monseigneur Podro avait eu beaucoup de difficultés. Parce que Monseigneur Podro, comme vous le savez, c'est un évêque, il n'est pas dans la politique. Et puis, Monseigneur Podro avait à la fois cet avantage qui est son inconvénient, c'est que c'est quelqu'un qui est de bon cœur et puis qui est honnête et qui, tranquillement, pensait que bon, tous les délégués ou tous les Togolais seraient comme lui. Mais le problème, c'est que justement, ça faisait sa naïveté. Et donc, les gens l'ont un peu baratiné, balboté, malmené. Et il a fallu que ses vices et puis les membres du présidium le soutiennent dans son travail. Et que souvent, quand le bureau se retrouvait, qu'un certain nombre de choses lui soient dites. Ce ne sont pas des instructions, mais c'est des directives, des sortes d'explications sur la manière dont les choses devaient se passer. Donc, après un certain temps, il a pu avoir du poil de la bête, mais il a été beaucoup malmené et il n'a jamais pu avoir cette capacité, cette forte influence qu'a eu, par exemple, Monseigneur de Souza au Bénin sur la conférence nationale. Par exemple, il lui était interdit de rencontrer le général Yadema, ce qui est inimaginable. Le président du présidium de la conférence nationale ne peut pas ne pas rencontrer le chef de l'État et discuter avec lui. On lui a interdit de rencontrer le chef de l'État. Qui Il y avait des délégués. Les délégués? Un certain nombre de personnes qui pensaient que, bon, que tout leur était permis, qu'ils pouvaient avoir le verbe aussi fort qu'ils le voulaient. On dit que non, que le président n'avait pas le droit, que personne ne lui a donné l'autorisation d'aller rencontrer le général Yadema. En fait, les gens pensaient à l'époque que Yadema n'existait plus et donc ne comprenaient pas ou bien n'acceptaient pas. Ben, beaucoup de délégués n'étaient pas d'accord. Mais vous savez, le fait de diffuser la conférence nationale en direct et puis le fait d'avoir l'immunité de la parole que normalement on doit avoir et qu'on a eu comme des parlementaires, cette diffusion en direct donnait un certain engouement à l'exagération. Beaucoup de personnes voulaient exagérer.
À côté de ça, il y a ceux qui, nos frères qui étaient revenus de l'Occident, qui ne savaient pas comment ce pays a été difficile, comment il a été compliqué de faire changer de position au régime, d'amener le régime jusqu'à la conférence nationale, et qui croyaient que tout était déjà gagné, donc on pouvait tout se permettre. Donc ces gens-là étaient véritablement désagréables, excusez-moi le terme, mais désagréables à certains égards par rapport à Mgr Fanoko Kwadwo. Mais bon, c'est quelqu'un qui a accepté de prendre sa croix et il a porté, et il a eu l'occasion quand même d'aller parler avec le chef de l'État. Si on lui avait donné la possibilité de faire son travail, comme l'évêque béninois de Souza l'avait fait, qui a convaincu Kérékou, qui a travaillé Kérékou jusqu'à ce que Kérékou évite que ceux qui étaient ses soutiens renversent la conférence nationale, en tout cas l'arrêtent, les Azonyiho et autres, et puis qui a permis que Kérékou vienne présenter des excuses devant la conférence. Si on avait donné cette possibilité à Mgr Fanoko Kwadwo d'aller rencontrer Yadema, de recevoir les desiderata, les plaintes de celui-là, de venir, d'arranger les choses pour que la réconciliation à laquelle nous nous attendions à la fin de la conférence se passe, je crois qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. Bon, malheureusement, tel n'a pas été le cas. C'est le passé, on ne peut plus y revenir aujourd'hui. Et à lui, mais il y a d'autres personnalités également et qui ont pu qui ont participé à la direction de cette conférence nationale. Vous avez évoqué un sujet, quand vous évoquez le général Yadema, sans doute qu'il y a eu beaucoup de crispations entre les délégués et les membres du gouvernement, notamment à un moment donné, et ceux-ci ont dû claquer la porte à cette conférence. Nous avons un élément de cette époque, et avec le retour du gouvernement à la conférence nationale. Nous allons suivre cet élément et nous allons revenir commenter ce qui s'était passé à cette époque. Honorables délégués, nous avons tant souhaité la présence de nos frères du gouvernement parmi nous. Ce soir, ils sont là. Applaudissons notre joie. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président du Présidium, le gouvernement a pris acte de la déclaration de la conférence en réponse à la sienne en date du 16 juillet 1991. Il estime, compte tenu des responsabilités qu'il assume au sein de la nation togolaise, ainsi que de la sérénité qui règne sur les travaux de la conférence, qu'il est de son devoir de reprendre sa place au sein des forces vives du pays au moment où s'engage un débat aussi fondamental sur la vie du pays. Il tient néanmoins à exposer ici ses réserves et ses observations que l'atmosphère particulièrement émotionnelle et d'intolérance qui a entouré l'adoption de l'acte numéro 1 n'avait pas permis aux membres du gouvernement d'exprimer. Ces réserves concernent l'acte numéro 1 et l'applicabilité de l'accord du 12 juin 1991 signé par le gouvernement et les représentants du COD. En ce qui concerne l'acte numéro 1, le gouvernement estime que la proclamation par cet acte d'une souveraineté illimitée est contraire à cet accord qui prévoyait cette souveraineté dans les matières énumérées dans le dit accord, à savoir débat général sur la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays,
sanctionnée par une déclaration de politique générale, mise en place des nouvelles institutions, organisation et mise en place des institutions de la période de transition. Les conséquences brutales tirées d'une telle proclamation, à savoir la suspension immédiate de la Constitution et la dissolution de toutes les institutions politiques qui en sont issues, compromettent gravement le fonctionnement régulier des institutions de la République. Il n'y a pas de doute que l'application stricte et immédiate de l'acte numéro 1 comporte des menaces pour la stabilité et l'équilibre de l'État à un moment aussi critique de l'évolution de notre pays. S'agissant de l'applicabilité de l'accord... Nous avons écouté un des ministres de cette époque, je ne sais pas si vous rappelez... Barry Moussa Barké, c'était lui qui était intervenu après Mgr Philippe Franco Podro. Que s'était-il passé à cette époque? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la conférence nationale a été convoquée sur la base d'un accord entre l'opposition, en tout cas les forces qui demandaient la conférence, et le gouvernement, notamment l'accord du 12 juin. Et cet accord reprenait ce que le FAR avait déjà discuté avec le gouvernement et précisait un certain nombre de choses en ce qui concerne la manière dont les institutions vont être mises en place et les décisions vont être appliquées après la conférence nationale. Alors, lorsqu'on est arrivé à la conférence nationale, un certain nombre de délégués ont considéré que le cadre que traçait l'accord du 12 juin, sur la base duquel a été pris le décret convoquant la conférence nationale. Donc l'accord du 12 juin constituait en réalité le socle, c'est-à-dire la charte, la constitution de la conférence nationale. Donc les gens ont considéré que le fait de prévoir, de ne pas prévoir une souveraineté illimitée dans cet accord du 12 juin posait un certain problème à la conférence, et donc il fallait que la conférence se proclame souveraine. Et le débat a été ouvert, les discussions ont eu lieu, les membres du présidium n'avaient pas le droit de prendre part au débat, mais ce qui a été étonnant dans ce débat, c'est qu'à un moment donné, le professeur Ninevi, qui avait conduit la délégation du code collectif de l'opposition démocratique, qui a signé cet accord avec le gouvernement, est intervenu en disant que cet accord ne liait que les gens qui l'ont signé. Ce qui était vraiment dramatique et négatif, en fait, pour l'image de la personne, pour ceux qui ont participé à cet accord et en réalité aussi un peu pour la conférence nationale. Donc, à partir de cet instant, bon, les gens sont sentis déliés. En tout état de cause, ce n'était pas à lui de tenir ce langage. Les gens allaient prendre leurs décisions, mais lui n'avait pas besoin. Parce que quand on signe un accord, et surtout quand cet accord devient le fondement sur lequel une réunion est convoquée, des assises sont convoquées, vous ne pouvez pas nier cet accord. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez déjà que la suite allait être difficile? C'est sûr, moi je savais que la suite allait être difficile. J'avais eu des discussions d'ailleurs avec quelqu'un comme Jovi Galli qui était très au fait des choses et qui avait des rapports avec le pouvoir, qui discutait souvent avec des gens de l'autre camp et qui m'a dit, Jean, ça va être compliqué après. Et immédiatement, lorsque cette souveraineté a été proclamée, alors qu'on n'avait pas, et ça je tiens à insister là-dessus, on n'avait pas les moyens d'assumer cette souveraineté illimitée. Parce que quand vous parlez de souveraineté illimitée, encore faut-il avoir les moyens d'exécuter ou de mettre en pratique cette souveraineté illimitée. On n'avait pas les moyens, mais la souveraineté a été proclamée. Et ce qui s'est passé, c'est que, justement, la délégation gouvernementale et l'armée ont suspendu leur participation. De négociation en discussion, Mgr Podro
parti voir le général, l'ambassadeur de France, les ambassadeurs de l'Union européenne, l'ambassadeur d'Allemagne notamment, et tout ça, des discussions ont permis de faire revenir les membres du gouvernement, mais jamais l'armée. À partir de cet instant, une partie importante du pouvoir togolais, qui est l'armée, puisque nous tous, nous savons que c'est notre armée qui a assuré à différentes occasions la dévolution du pouvoir, c'est lui qui maintient le pouvoir, c'est elle qui sécurise le pouvoir. L'armée n'étant pas là, c'est devenu quelque chose de problématique. Parce que demain, très facilement, l'armée pourra dire, nous n'avons pas été associés à toutes les décisions qui ont été prises, donc nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et c'est justement ce qui s'est passé durant la transition, avec une stratégie de coup d'État rampant mise en place par le régime et qui a permis progressivement de faire retourner la situation, de renverser toutes les décisions de la Conférence nationale et de faire revenir le général Eyadema au pouvoir comme si rien n'avait été fait, en tout cas comme si cette conférence n'avait jamais eu lieu. Voilà. Notre invité du jour, Maître Jean Dégli, rapporteur général de la Conférence nationale du Togo. Nous sommes en train de nous souvenir de cette époque dans une série qui a démarré depuis dimanche dernier ici. Et comme c'est de tradition aussi, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir par leurs questions et leurs compléments éventuels. Et pour la suite de cette émission, je rappelle nos numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô? Si vous permettez. Oui, allez-y. Si vous permettez, en citant les membres du Présidium tout à l'heure, on avait oublié quelqu'un. On a oublié Jean-Pierre Fabre qui était. Vous l'avez dit, vous avez cité. J'avais cité son nom aussi. Vous avez cité son nom. D'accord. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne? Oui, Taofik, comment vous allez? Bon, très bien. Ok, allez-y. Depuis un certain temps, les radios font parler de la conférence du Premier national civil comme c'est un événement. La conférence nationale a échoué. Moi, mon opinion personnelle, c'est que vous cessiez de parler de cette conférence nationale. Nous avons tous demandé, nous sommes tous associés à cette conférence pour que la finance ait lieu au Togo. Mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas l'angélance. Et nous avons le sentiment que le régime toujours en place a toujours tous les pouvoirs. La justice n'existe pas. Et la population souffre. La vie chère, tout ça. Je peux plus vous rajouter maintenant même de parler sur les problèmes des docteurs qui sont les gens de COVID-19 là. Les gens de la conférence de sélection là, ils viennent sur la radio que pour ne parler que du français. Nous n'avons pas de gens. Donc, ils n'ont pas cherché autre chose à nous faire. La conférence de sélection a échoué, c'est tout. Ok, Tafik. Mais si nous ne parlions pas de cette conférence aujourd'hui, comment est-ce que nous saurions qu'elle a échoué, que vous proposeriez quoi? Je n'avais pas même pas 18 ans au moment de cette conférence nationale. Je suis adolescent, mais je les ai tous soutenus. Ok, c'est votre position. Merci de l'avoir exprimée. Maître Jean Dégli, notre auditeur, lui, pense que parce que cette conférence n'a pas permis au Togo de tourner la page et qu'il faudrait que les radios cessent d'en parler. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup lire et notamment de voir de lire de l'histoire. Je voudrais tout simplement lui faire savoir que il y a des guerres qui ont été perdues par des pays, mais qu'il n'en demeure pas moins que ces guerres, on doit en parler. La bataille de Waterloo a été perdue par Napoléon. Mais la France en parle toujours. Ce n'est pas parce qu'on a eu un événement qui a échoué ou bien quelque chose qui a échoué qu'on n'en parle pas. L'histoire d'un pays est faite justement de tout cela. Si on n'en parle pas, lui, ses enfants, ne sauront pas tirer des leçons du passé pour construire l'avenir. Il faut en parler. Bien, merci. Après, Taufik, un deuxième auditeur. Allô? Allô, bonjour, M. Thiroux. Bonjour. Natema. Natema.
Oui, votre réaction. Ma réaction, c'est que aujourd'hui, au Togo, est-ce qu'il y a des pauvres haïtiens au Togo? Quand vous prenez la route du grand contournement, ou bien au péage, on a bloqué partout, même dans les fossés, on a bloqué. Moto qui n'est pas passé. Est-ce que le pauvre qui n'a pas un franc là, qui n'est pas passé, contourner au moins passer? Non, ce pays-là, c'est vraiment chaotique. Il y a les pauvres, il y a les riches, il n'y a pas de problème. Si ils sont des riches, que ce ministre, ou bien ce gouvernement, ou bien le président de la République, ils n'ont qu'à revoir ça. C'est pas normal. On bloque là, on va où avec ça? Il n'y a pas de pauvres dans ce pays. Nathéma. Oui. Oui, en fait, quand vous parlez de blocage, expliquez-nous de quoi il s'agit. Vous parlez du poste de péage ou comment? Au niveau des péages, là, les gens marchaient. Les gens se disent qu'il faut partir par terre. Si vous faites, si vous voulez signaler, si vous envoyez des gens sur le terrain, vous allez voir. Ils ont bloqué, ils ont mis des fers, ils ont bloqué avec des cadenas. Est-ce normal? Ok. Il y a des pauvres. Ok, on a noté. Il y a des pauvres, monsieur Biro. Ok, on a compris, voilà, la préoccupation de notre ami. Il parle de poste de péage. Le poste de péage, c'est vrai qu'on a appris que les voies de contournement, puisque un certain nombre d'utilisateurs ont décidé de contourner le poste de péage. Et voilà, son inquiétude, que fait par rapport à une telle expression? Non, vous savez, justement, c'est ça la... Le problème que je soulevais au début, hein, que la paupérisation, l'appauvrissement de nos populations est de plus en plus inquiétant. Et on a l'impression que, à côté, pendant qu'on apprend que, bon, il y a des détournements, vrai ou faux, on ne sait, mais qu'on n'essaie jamais de creuser et de documenter. Et il y a vraiment une bonne partie de cette population qui vit dans une situation dramatique. Et j'entends des gens dire qu'ils arrivent difficilement à prendre un repas par jour, et ce n'est pas faux. J'ai rencontré des gens chez moi, à Palimé, dans mon quartier, dans mon petit village, qui ont des difficultés. Et quand je passe, ils viennent demander... Ça dit le minimum vital, et ça me fait personnellement honte. Je me dis, mais comment les gens ont pu arriver dans une situation pareille? Et ce qu'il dit, ce que ce monsieur dit, est vrai. C'est vrai, je suis partisan du paiement des impôts, des taxes. Je suis partisan de ça parce que ça permet de construire un pays. Mais en même temps, nous devons tenir compte d'un certain nombre de paramètres, d'un certain nombre de choses, parce que effectivement, il y a des gens qui sont absolument, je dis absolument, incapable de pouvoir participer à certaines choses. Il faut que les gouvernants développent la vision qui permette que le bien-être soit partagé. D'abord, qu'il y ait le bien-être et que ce bien-être soit partagé. À défaut, un jour, nous arriverons encore dans des situations où, dos au mur, vous savez, la révolte de la faim est l'une des pires révoltes qui existent. Donc, il faudrait vraiment, vraiment qu'on tienne compte de certaines choses. Bien, merci. Après Nathéma, nous allons retourner au téléphone. Allô? Allô, bonsoir, M. Jérôme. Oui, votre nom? Jérôme, attendez. Jérôme. Vous êtes à l'antenne? Bonjour, M. Jérôme. Je tiens, par rapport aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des minorités qui s'apparent des gens. Ça ne serait pas par la conférence maintenant que je réagis. Les délégués qui avaient été fait blocage, d'aller voir le président par le président Monsieur, ce ne seraient pas les mêmes personnes qui font blocage au développement du pays aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Oui, non, je ne pense pas que ce sont les délégués qui faisaient blocage hier à ce que Mgr Podio puisse aller discuter et jouer ce que j'appelle son rôle diplomatique auprès du général Eyadema. Je ne crois pas que ce sont les mêmes personnes qui
si il y a des gens qui bloquent le développement du pays, que ce soit les mêmes personnes. Ceux qui ont tenu ce langage, ont tenu cette position difficile, dure à l'extrême à la conférence nationale, sont aujourd'hui plutôt du côté de l'opposition, ou alors certains ont perdu la vie. Donc je ne crois pas que ce soit ceux-là qui posent quelques problèmes que ce soit au niveau du pouvoir, et notamment à l'éclosion du développement et de la croissance pour les Togolais. Allô? Bonjour. Oui. Oui, Pelé. Bonjour, monsieur Pelé. Félicitations. Merci. Je sais que vous êtes un combattant. Et moi, je vais vous dire à l'époque, quand on avait choisi Maître Désiré comme rapporteur, j'avais peur. Franchement, parce que j'ai fait la référence à la conférence nationale de l'IMA. L'IMA, comme le rapporteur Albert Rivet, qu'il faut un homme expérimenté qui peut avoir le lobby à l'extérieur. C'est ce que j'avais constaté à la conférence nationale du Mali, que la conférence nationale du Mali a est devenue une vraie conférence. C'est que il y avait des anciens présidents, des grands à la conférence nationale du Mali. Deuxième point, le président, c'était la plus jeune personne, avait 35 ans. À la fois au Togo, 17 ans. Mais moi, j'avais peur de tout ça là. Mais je sais que la jeunesse togolaise est dynamique. Elle peut faire ce qu'elle ce qu'on lui dit qu'elle va faire. Mais Jean Dubry a fait ce qu'il peut faire. Et il a fait. Mais la suite, c'est quoi? C'est la concrétisation. Je sais que le RPC n'a pas de bon foi. Là, il faut avoir, on peut le dire, c'est que tu as la défense de l'opposition, de l'éducation, que tu voulais, c'est que tu as, s'il n'y avait pas la bonne foi. Et c'est normal, ils sont à la conservation et l'opposition cherche à aller à la terrasse. Maintenant, monsieur Jean Dubry, avec tout ce qui s'est passé, il faut donner le temps. Il faut donner le temps au régime RPC et ils sont devenus champions. Il faut donner le temps à l'opposition qui se dirige, qui se constitue entre elles-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que vous lui proposez pour encore aller au-delà de la conférence nationale et demander au président de la République, est-ce qu'il faut convoquer une assise nationale pour réparer la conférence nationale? Bien, merci. Merci, Pelé. On a noté le fond de votre pensée. Je crois que vous êtes largement exprimé sur ce que vous avez à dire ce dimanche. Merci de nous avoir contacté. Réaction. Oui, la première des choses, c'est que M. Pelé a raison. À la conférence nationale béninoise, il y avait les anciens présidents. Il y avait Hubert Maga, il y avait Aruma Degbe, il y avait Sissou. C'était des anciens présidents qui, lorsque les jeunes prétendus de partis communistes ont commencé à élever tout le ton, les ont appelés ou leur ont rabattu le caquet au niveau de la conférence, en leur faisant comprendre que la gestion d'un pays, la gouvernance d'un pays, ce n'est pas de la blague. Donc, ils ont réussi à mettre la main, à calmer ces jeunes qui n'avaient pas forcément l'expérience de la gouvernance, mais qui croyaient que tout était possible et tout était possible tout de suite. Au Togo, nous n'en avions pas. Les quelques têtes que nous avions, qui auraient pu parler et être des autorités morales au cours de la conférence nationale, sont malheureusement les gens qui avaient tellement pactisé avec le régime ancien que personne ne voulait en entendre parler. C'est le cas, par exemple, de notre grand frère, paix à son âme, Elim Kodjo. C'est quelqu'un qui avait une envergure qui aurait pu lui permettre, en tant que plusieurs fois ministre au Togo, ancien secrétaire général du RPT et secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue l'Union africaine aujourd'hui, il aurait pu, mais il avait tellement, on considère en tout cas qu'il s'est tellement à coquiner et que c'est eux qui avaient mis le régime en place, donc personne ne voulait en entendre parler. Donc il y avait cet aspect-là. Nous n'avions pas cet élément fondamental de sages, de gens qui ont la voix de sages
à la conférence nationale. Lorsque il parle de tout ce qui s'est passé, à qui donner le tort, je crois que c'est un tort partagé. Nous voulions avoir une conférence nationale et c'est essentiellement le but de toute conférence nationale était une réconciliation. Nous n'avons pas réussi. Alors, à qui le tort? Beaucoup de personnes pensent que, comme il a dit, que le pouvoir est de mauvaise foi. Je veux bien que le pouvoir soit de mauvaise foi. Mais en prenant l'acte numéro 1, avec la manière dont les choses ont été faites, et puis en transformant d'une certaine manière, à un moment donné, certains aspects de la conférence en véritable tribunal, ce que beaucoup de personnes nous ont reproché, et que Maître Robert Dossou est venu encore nous reprocher la fois dernière lorsque nous faisions les hommages à Agbouibor, je crois que nous avons donné le bâton pour nous faire battre. C'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à celui qui est de mauvaise foi d'utiliser sa mauvaise foi. Donc, dans ces conditions, nous avons, du moins, l'autre partie de la conférence nationale, l'autre partie des délégués aussi, avait tort. Et il dit, que proposer aujourd'hui? Bon, nous, à l'occasion du 30e anniversaire du 5 octobre, nous avions proposé que le pays étant totalement bloqué, que le chef de l'État, en tant que garant de l'unité nationale, en tant que premier citoyen, puisse prendre une initiative et que nous sortions de cette situation qui perdure et qui ne permet pas au Togo d'aller de l'avant. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que la concertation a été organisée, mais c'est ce que nous avons pensé, qu'il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait d'autres manifestations un jour, qu'il y ait des revendications un jour, avant de réagir, mais qu'il faut régler le problème aujourd'hui pendant qu'il y a un semblant d'accalmie. Bon. Oui, je parlais en introduction que par le passé, il y avait eu la conférence nationale et qu'aujourd'hui, il y a la concertation nationale. Et on a constaté qu'un certain nombre de répliques ont été notées à cette concertation nationale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, il y a eu encore des dissensions. Beaucoup de dissensions, toujours des dissensions. Ça fait la 28e occasion hein, de discussion et de négociation au Togo. Et cette fois-ci aussi, il y a des problèmes. Et tout ça là est lié au fait que nous ne faisons pas les choses véritablement dans l'intérêt général de ce pays. Lorsque l'on va s'asseoir pour discuter, pour négocier, chacun ne vient plaider que pour sa chapelle et chacun ne pense qu'à sa chapelle. Ceux qui veulent que les choses changent ne tiennent peut-être pas beaucoup compte de l'intérêt général. Ceux qui ne veulent pas que ça change ne tiennent compte que du fait qu'ils ont envie de garder le pouvoir et de toujours le garder. Dans ces conditions, vous savez, vous brimez toujours la majorité silencieuse, la grande partie du pays. Vous brimez l'intérêt général parce que vous êtes arc-bouté sur vos intérêts personnels, malheureusement. Il y a cette question de Komi Dotou qui nous suit quelque part dans le monde. Il pense, il demande, hein, qu'on constate une absence notoire de votre part sur la scène politique. Je lis sa question. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je ne suis pas absent sur la scène politique. Bon, d'abord, je crois que les gens font une grosse confusion. Je n'ai jamais été un homme politique. Moi, j'ai été un défenseur des droits humains. Et c'est toujours comme ça que je me suis défini. C'est toujours comme ça que j'ai agi. Lorsque j'ai eu à créer des mouvements, c'est des mouvements qui sont essentiellement basés sur la défense des droits humains et sur l'intérêt général du Togo. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Donc, souvent, les gens pensent que Jean Dégli, parce qu'il intervient souvent, parce qu'il parle du pays, nécessairement, il est un politicien. Non, je ne suis pas politicien. Je suis peut-être homme politique dans le sens où je parle de la chose publique. Je défends l'intérêt général. Je défends l'intérêt de tous les Togolais. Mais si, depuis un certain temps, il a remarqué que je ne parle pas, j'ai beaucoup parlé par le passé, mais je ne crois pas que la parole est utile quand on ne s'en sert pas pour transformer cela en réalité. Parler, et puis bon, rien ne se passe. Est-ce que vous continuez de parler toujours simplement pour le plaisir de parler? Je sais qu'il y a des occasions où il faut parler pour éduquer, pour éclairer les gens. Et on est prêt à le faire. Mais s'il faut parler pour le plaisir de parler, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la réflexion sur les éventuelles solutions à trouver à ce pays, plutôt que dans le fait de parler et
de donner l'impression d'agir, mais de ne pas agir. C'est noté. Un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour Pierrot et bonjour à Maître. Bonjour. Je suis Modeste. Oui, Modeste. Et, oui, dans un premier temps, je tiens à saluer tout le travail qui a été fait dans le cadre de cette conférence nationale souveraine. Et je voudrais partager quelque chose. On a l'impression aujourd'hui que lorsqu'on parle de la conférence nationale souveraine, c'est un peu comme si c'était un conte ou une fable, un fable du moins dont on parle. Parce que la jeunesse aujourd'hui ne s'en sert pas ou du moins n'est pas concernée. On a comme l'impression que tout le travail qui a été fait est laissé au carreau et aujourd'hui, bon, on attend que par un miracle, des solutions puissent arriver afin que le Togo puisse véritablement se démarquer. Quel est donc le rôle aujourd'hui de cette élite-là qui a fait face à cette classe politique d'antan pour que nous puissions parler d'une nouvelle génération aujourd'hui capable de défendre l'intérêt de notre pays, le Togo? Un peu comme, après écouter tout à l'heure, maître, on sent que ils étaient jeunes, ils étaient engagés. Mais malheureusement, aujourd'hui, tous les jeunes, en tout cas la majeure partie des jeunes aujourd'hui, sont engagés de façon hypocrite, c'est-à-dire que c'est le ventre qui dirige. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir inculquer un tant soit peu cette réalité-là à notre jeunesse aujourd'hui? Merci et bonne émission. Merci, Modeste, de nous avoir appelé. Maître, qu'est-ce que tu penses? Oui. Quand vous lisez les actes de la conférence nationale, quand vous lisez les communications, les problèmes qui ont été posés, les solutions qui ont été trouvées, vous êtes persuadé que si on mettait en pratique tout ce qui a été décidé à la conférence nationale, les problèmes du Togo seraient facilement réglés. C'est tout un programme politique pour notre pays. Et pour des décennies, des décennies, des décennies. Mais le fait que le pouvoir en place n'ait pas accepté cette conférence, qu'elle ait désavoué, et qu'il ait désavoué complètement cette conférence, a fait qu'on a voulu faire comme si rien n'a été, rien n'a existé, et faire un peu comme s'il faut faire table rase de tout ce qui a été fait à la conférence nationale. Et d'ailleurs, c'est étonnant, dans d'autres pays, quand l'anniversaire des conférences nationales arrive, les gens en parlent. Au Togo, on n'en parle pas. On ne sait même pas si les archives de la conférence nationale ont été conservées par l'État togolais. Et nous, pour travailler sur les actes de la conférence nationale aujourd'hui, les gens viennent chez nous pour savoir si nous avons tel acte, tel autre acte ou tel autre acte. Normalement, la bibliothèque nationale, l'université devait avoir tous les documents qui concerne la conférence nationale. Donc c'est vrai que, bon, on a l'impression qu'il faut tout recommencer à zéro, alors que beaucoup, beaucoup a été déjà fait. Il suffit seulement de mettre en pratique. La question relative à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vrai, comme le dit le monsieur Modeste, qu'on a l'impression que la plupart des jeunes aujourd'hui ne pactisent que par leur ventre. C'est une façon de voir les choses. Je crois que c'est vrai, la situation est compliquée pour la plupart des jeunes aujourd'hui, mais également, notre pays n'a pas eu l'occasion de donner cette éducation-là à la jeunesse, de s'intéresser à la chose publique, mais de s'intéresser surtout à l'intérêt général. Et tant que sur le plan national, sur le plan dans les médias publics, d'une façon officielle, on n'aura pas éduqué les citoyens dans ce sens, il me semble qu'il sera difficile de changer la donne demain. Nous, dans tous les cas, à l'époque, déjà dans nos maisons, nos parents nous donnaient un peu cette éducation-là. L'intérêt qu'il faut porter à la chose publique. Le respect de la chose publique, le respect de l'autorité, la nécessité de faire en sorte que le bonheur soit partagé. Moi, personnellement, toutes ces notions, toutes ces valeurs, je les ai apprises à la maison. Aujourd'hui, cela, il me semble que cela n'existe plus.
cela n'existe plus. Et comme sur le plan de l'éducation, on n'essaie pas d'inculquer ces notions fondamentales, ces valeurs fondamentales aux citoyens, ce qu'il a constaté est un constat que moi aussi je fais, constat amer, malheureusement, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait penser autrement et faire cette formation-là, cette éducation-là, dans les associations qui sont en place, si on le leur permet, dans les partis politiques qui n'ont jamais réussi à faire ce travail, mais aussi et surtout dans nos propres maisons, à condition que nos parents soient éduqués eux-mêmes dans ce sens-là. Vous avez dit tantôt que vous avez constaté que, contrairement à d'autres pays, au Togo, il n'y a pas de manifestation officielle organisée pour rappeler cette conférence nationale. Mais au-delà des voix officielles, on a entendu un auditeur dire qu'il faudrait carrément faire blackout sur ce type d'événement. Il n'est pas le seul, puisque un certain nombre de Togolais pensent la même chose, que ce qui est passé, qu'il faudrait donc regarder l'avenir. Mais comment forcer aujourd'hui cette jeunesse à apprendre de ce qui s'est passé, à tirer ne serait-ce que ce qui était bien dans ce passé-là? Puisque quand on évoque la conférence nationale, on ne peut pas dire que tout a été noir. Non, justement, c'est parce que cette jeunesse ne sait pas ce qui s'est passé à la conférence nationale. Si elle sait ce qui s'est passé à la conférence nationale, si elle peut prendre ne serait-ce que le rapport général, je ne dis pas de prendre le rapport de la commission politique, le rapport de la commission économique, le rapport de la commission sociale, le rapport de la commission culturelle. Ne serait-ce que prendre le rapport général et voir le résumé qui a été fait dans ce rapport général de tout ce qui s'est passé à la conférence, ils comprendront. C'est toutes les solutions à notre pays, toutes les solutions aux problèmes de notre pays qui ont été trouvées. Que ce soit l'armée, que ce soit l'économie, que ce soit le politique, que ce soit l'éducation, que ce soit le culturel. Toutes les solutions ont été proposées et sont là. Malheureusement, les jeunes ont l'impression que c'est juste les joutes oratoires qu'il y a eu à la conférence nationale. La conférence nationale a fait un travail profond, profond et fondamental. Un autre auditeur, allô? Allô? Est-ce qu'on l'a? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Colani de Piaboué. Oui, comment vous allez? Je ne pas très bien. Ok, allez-y. Je salue les bêtes. Oui, bonjour, Monsieur Colani. Oui, en écoutant, et en écoutant vos explications, vous comprenez que le problème togolais, le nœud, c'est l'armée. C'est pourquoi vous allez constater que, lors des élections passées, quand un candidat du nom d'Akromé s'est adressé à l'armée, le chef de l'État fort et solide de l'armée était devenu furieux. Et si aujourd'hui, il faut qu'on avance, mais dans tout nos dialogues, ce qui s'est passé comme knap là, moi je l'ai dit, c'est un coup de temps. Les gens ne peuvent pas aller s'asseoir et, disons bien, c'est une minorité qui ne sont pas légitimes, qui sont légales. Et les vrais interlocuteurs, je n'ai pas dit ce qui est sorti deuxième par rapport aux résultats, n'est pas sur la table. Et la société civile aussi n'est pas été invitée. Et on nous dit que les conclusions de là ira sur le gouvernement et on va l'adopter à l'Assemblée. Non. Selon Balafer, je ne vais pas. Mais pas votre média, demandez s'il y aura encore un dialogue, il faut que l'armée soit invitée. Parce que c'est très important. Vous avez constaté, même après cette élection, c'est l'armée qu'on a utilisée pour aller entraîner la maison de quelqu'un. Toujours l'armée. Or, ils ont les mêmes problèmes que nous. Leurs femmes vont dans les mêmes marchés que nos femmes, leurs enfants vont dans les mêmes écoles que nos enfants. Mais eux, ils utilisent. Mais il ne faut pas que le pouvoir là continue pas. Utiliser l'armée pour embrigader la politique ou bien la venue de nous tous. Vous avez dit bien, mais cette là, comme dans le fond de la population, on l'appliquait aujourd'hui là. Tout le monde verrait bien. Mais il est temps quand même qu'on passe par la paix. Et quand il y a une réunion là, on invite l'armée aussi. Et cela, c'est ce qui dit Naka, quand tout pour prendre la CENI là. La CENI n'est pas politique, hein. Il ne doit pas être politique parce qu'une CENI là, pour donner les cartes d'électeurs, ce n'est pas politique, c'est là. Vous donnez les résultats que le peuple donne dans les villes. Donc la CENI, c'est pourquoi ça nous est pour tout là. Donc je vous exhorte, vous êtes société civile, vous êtes les ONG, les syndicalistes, pour récupérer la CENI là. C'est noté, c'est noté, cher ami. Votre intervention est donc notée par notre invité qui va devoir réagir. Oui,
je crois que le monsieur Colani pose, c'est vrai, un problème important. Le problème de l'armée au Togo, le problème des armées dans nos pays, le problème des forces de sécurité. C'est vrai que dans un certain nombre de pays, hein, ce qui se passe, c'est que ces corps sont utilisés à outrance et sont utilisés comme un instrument de gestion du pouvoir politique. C'est vrai, mais est-ce qu'il est possible, en allant à des tables rondes, d'inviter l'armée? À quel titre est-ce que l'armée serait invitée? À quel titre? Et puis quand elle viendra, elle parlera de quelle voix? Elle parlera au nom de qui? Elle parlera au nom de l'armée? Ou elle parlera au nom de ceux qui sont les gouvernants et qui l'auront invitée? Est-ce que l'armée qui, par excellence, doit respecter la discipline et est soumise et doit être normalement soumise à l'autorité politique, est-ce que l'armée ou les représentants de l'armée considéreront qu'ils sont venus pour représenter l'autorité politique qui les a désignés, ou alors ils sont venus pour représenter le peuple? Là se trouvent plein de questions auxquelles il faut apporter des solutions. Sinon, inviter l'armée, on peut inviter l'armée. Et quand elle sera là, peut-être ça ne changera rien. La preuve, à la conférence nationale, on l'a vu, l'armée était présente. Et puis le jour où le pouvoir politique n'a pas été content avec la conférence nationale, l'armée a été le premier élément qu'on a retiré pour qu'elle puisse contester après. Voilà. J'ai demandé dimanche dernier également à voir quelques grands noms qui ont pu marquer cette conférence nationale. Madame Adjarago, par exemple, a cité Maître Jean Degli. Sans doute que vous aussi, vous citerez son nom, mais à part les deux, qui d'autre a marqué cette conférence? Non, il y a beaucoup de voix qui ont marqué la conférence. Il y a par exemple Feu Atouté Agoubli, hein, qui a beaucoup marqué, qui a fait beaucoup de contributions. Dans le cadre du Caldan, il y a des jeunes qui sont intervenus, qui ont marqué la conférence dans un sens comme dans un autre. Tavio Amorin, il y a Claude Amegavi, il y a Brigitte Amegavi, il y a qui d'autre. Il y a plein de personnes qui sont intervenues et qui ont eu à poser des problèmes. À discuter de choses ou bien à porter des problèmes sur le tapis. Beaucoup de personnes. Il y a la CNDH, dont le président à l'époque était Dovi Arlencor, parce qu'Aguibo venait de quitter le poste. Il y a des gens qui ont marqué, dans un sens ou dans un autre, la conférence. Tous n'ont pas marqué la conférence dans le sens positif, mais il y a des gens qui ont marqué la conférence. Ou alors, ils ont marqué à certains moments donné la conférence de façon positive et à certains autres moments de façon négative. Il y avait également quelqu'un comme Paix à son âme, également Feu Okansé, Kwame Okansé. Beaucoup de personnes ont quand même marqué cette conférence. Si c'est à refaire, cette conférence nationale, quels sont les points sur lesquels il va falloir travailler, il va falloir regarder beaucoup plus sérieusement? S'il faut recommencer, je crois qu'il faut être très regardant sur le caractère objectif des analyses. Okay? C'est-à-dire tenir compte de ce qui a été fait, dénoncer ce qui n'a pas été fait, mais ne pas transformer la conférence en une sorte d'assise judiciaire, c'est-à-dire de tribunal, où on condamne d'avance les gens et où on ne laisse pas forcément la parole à tous ceux qui doivent se défendre, à tous ceux qu'on accuse. Parce qu'à la conférence, à un moment donné, c'était aussi ça. Vous avez entendu tout à l'heure quand le ministre Barry Moussa Barké, quand il intervenait, quand il a dit des choses qui sont dans le sens de la reprise, bon, c'était les acclamations, mais une fois qu'il a commencé à poser les problèmes qui les concernent, c'était des cris ailleurs dans certaines occasions, jusqu'à ce que cet épisode à la fois dramatique et extraordinaire, les pleurs du ministre Agbeyome Kodjo, qui était accusé et qui avait tellement de difficultés à se défendre qu'il a été obligé de s'en remettre aux larmes. Vous savez, sur ce point-là, il faut vraiment faire un travail. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en avant l'objectif pour lequel on est en train de faire les assises. Il faut sortir des assises plus unis, plus harmonieux, qu'on y est entré, réconcilié. Il ne faut pas sortir des assises divisées. On est sorti de la conférence nationale
Diviser. Diviser d'abord pouvoir. Et le pouvoir est ceux qui, parce que ce n'est pas tous ceux qui demandaient la conférence nationale et qui voulaient que le pays change à l'époque, ne sont pas de l'opposition. Donc, le pouvoir est ceux qui contestaient, je dirais, sont sortis divisés. Plus divisés que quand on est entré à la conférence nationale. Et puis l'opposition elle-même, elle est sortie mais radicalement divisée, gravement, grandement divisée. Ce qui a beaucoup joué sur la transition que nous aurons après. Donc je crois que ces choses-là déjà, il faut les voir. Et il faut faire en sorte que l'on sorte avec des solutions concrètes qui soient acceptées par chacun dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général. Moi, en tout cas, tout ce qui ne concerne pas l'intérêt général ne m'intéresse pas. Voilà. C'est dit que le pays n'est pas condamné. Le Togo n'est pas condamné. Il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Et il ne faut pas qu'on attende nécessairement que cette volonté vienne d'une imposition. Et c'est en ce sens-là que je continue de dire que nos gouvernants actuels, au premier rang desquels le chef de l'État, peuvent changer ce pays s'ils manifestent l'amour qu'il faut pour ce pays et pour l'intérêt général de tous les citoyens togolais. Ils peuvent changer ce pays. Je vois des routes qu'on est en train de nous construire, et notamment celle qui mène chez moi à Palimé, pour laquelle j'applaudis tous les jours. On peut faire encore plus que ça. Je vois la ville de Palimé, où on est en train de tracer des rues, où on améliore des rues qui datent de depuis les années 60-70, qui ont été complètement, complètement érodées, qu'on est en train de refaire aujourd'hui. J'applaudis. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. On peut faire mieux que ça. Et c'est à ça qu'il faut penser. C'est à ça qu'il faut penser. Si on reste arc-bouté sur nos intérêts personnels et individuels, on aura l'impression qu'on a fait quelque chose, mais on aura fait peut-être quelque chose que pour notre propre bien-être, mais pas pour le pays. Peut-être cette dernière question de cet auditeur Thompson Daï. En fait, quand vous évoquez Agbeme Kodjo, il dit, de quoi l'accusait-on à cette époque? On accusait Agbeme Kodjo d'avoir... fait attaquer, hein, fait attaquer. Je crois que c'était au Kansé. Je ne me rappelle plus très bien dans tous les détails, mais on l'accusait d'avoir lâché les loups pour aller attaquer certaines personnes, pour aller commettre des violations des droits de l'homme. Il n'y avait pas la voix pour pouvoir se défendre, parce que non seulement quand eux ils prennent la parole, ils ont l'impression que leurs propos ne sont pas très acceptés, et puis de deux, cette accusation tombait dru sur le type comme un cheveu sur la soupe. Puisque effectivement, il n'avait aucunement de responsabilité en ce en quoi on l'accusait, pour ce pourquoi on l'accusait. Donc du coup, la fragilité de l'homme qui est déjà assis sur le banc des accusés a fait que la seule réponse qu'il a pu avoir, ce sont les pleurs. Nous allons nous quitter. Quelle est votre conclusion? Parce que nous avons lancé une série et vous êtes la deuxième personnalité que nous avons invitée. J'espère que nous allons la continuer dimanche prochain. Mais quelle est votre conclusion, ami Pakou? Ma conclusion sera exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure. C'est que nos dirigeants prennent conscience de ce que le Togo va mal. Même s'il n'y a pas de crise politique au Togo aujourd'hui, le pays ne va pas bien. Le pays est bloqué pour des raisons essentiellement politiques, d'état de droit, de gouvernance. Et il est important de faire en sorte que le pays soit libéré et qu'il puisse se remettre en route pour que tous les actes qui sont posés par le pouvoir politique puissent être complètement ressentis et se traduire dans le bien-être pour toutes nos populations. Merci beaucoup, Maître Jean Degly. Merci d'être venu pour cette nouvelle édition consacrée aux 40 ans de la Conférence nationale du Togo. L'émission, elle s'achève ainsi. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Fetas pour la mise en onde technique. Moi, je m'appelle Pierrot Atiogbe. Au revoir.